C'est bon, normalement c'est le son du micro. Alors, comment allez-vous bien? Moi je vais lancer toutes mes fenêtres comme d'hab. C'est un stream sauvage. Alors, on va couper le son là. La vidéo ici, je remets OBS. Voilà, alors est-ce que je stream plus depuis longtemps? Parce que bon, je n'ai pas la motive de faire beaucoup de choses en ce moment, et quand j'ai la motive de faire quelque chose, c'est souvent du projet secret. Alors là, j'ai demandé si je pouvais streamer un petit coup ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc, alors, j'ai quoi comme scène, moi, dans OBS? Ah, j'ai cette scène fabuleuse, voilà. J'ai cette scène fabuleuse. Eh bien, on va voir s'il y a des gens qui se prennent... Ah, coucou! Ah, voilà, il y a Barjac qui arrive. On va voir s'il y a des gens qui se prennent des notifs et qui rejoignent le Twitch. À 15h de... À 15h du soir. Alors, salut Eric. Clac, je lance ça. CPC. Donc c'est histoire de montrer un peu comment je code en ce moment. Niveau intro. Et j'ai un petit logo. Alors, on va repasser sur la scène. Sur cette scène. Voilà. Donc on a Barjac qui graffe plein de trucs, il me fait des notices en plus. Vous avez vu, là on fait du leak. Hein. Voilà, on peut. Est-ce qu'on peut zoomer? Voilà, on peut zoomer un peu. Voilà, donc ça, cet écran qui est là, c'est ce qu'on doit obtenir. On doit aller de celui-là vers celui-là comme écran. Pour ce faire, on a une image qui est en mode 1. Ah oui, un logo. On a une image en mode 1, 4 couleurs. Alors celle-ci n'est pas 4 couleurs. Elle a des rasters. Donc il y a une zone, première zone avec 4 couleurs ici, une deuxième zone avec 4 couleurs, une autre petite zone avec 4 couleurs, etc. Donc pour réaliser cette image en mode 1, on va devoir changer les encres à différentes positions. Et par-dessus, on va rajouter des sprite hard qui sont là. Hein. C'est tout joli, ils sont numérotés de 1 à 16. Donc ici, j'ai. Alors, on va zoomer un peu dedans, dans l'image. Voilà, donc les sprites qui sont là, on a leurs coordonnées. Ici, on a la planche de sprite. Donc là, il y a peut-être. Oui, il manque le 2 là. Hein. Le 2, ici, il y a la jambe du R qui n'a pas été mise là, c'est pour avoir l'idée. Donc on a une première planche de sprite, et ensuite on a certains sprites qu'on va modifier. Donc le 13 bam, le 10 bam, le 8 bam, le 4 bam et le 2. Et que toi qui as le son qui crépite. Alors normalement, moi j'ai pas de retour là, faudrait que j'écoute, mais normalement il doit y avoir un ah comme ça. Est-ce que ça crépite moins comme ça? Si je fais ça comme ça, est-ce que ça crépite moins? J'avais pas vu, j'étais un peu dans le rouge. On dirait que c'est mieux. J'ai passé aussi la réduction du bruit de 30 à 20 dB. Alors on va voir. Là, j'ai aussi modifié la suppression du bruit. Ce que je n'ai pas, d'ailleurs c'est quelque chose, peut-être que je le fasse un jour, c'est un micro actif que j'ai, mais je n'ai pas mis l'alimentation fantôme. Normalement, tu le branches, tu as une alimentation spéciale pour mettre dessus, là je l'ai branché directement. Donc peut-être qu'un jour, non c'est pareil en fait. Ah, ouais, alors, ou alors faut que je sois moins près du micro peut-être, moins près du micro. Salut Moonbeam. Donc j'en étais à montrer ces. Non, oula, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas touché le bon truc. J'en étais à montrer cette image-là, comment elle était construite.
On a une palette, ça c'est la palette pour les sprite art, et comment j'allais me débrouiller pour l'afficher. Donc, ça c'est une image impossible à afficher. Ça c'est l'image de laquelle je vais partir. Donc, là pour le coup, on a du modin en 4 couleurs. Donc screen.png. Alors, ce screen.png. Si j'ai le micro qui me cache le clavier, on va faire média 1, 1, c'est bon. Là, j'ai vraiment le micro qui est devant, ça m'emmerde un peu, je vais me mettre sur le côté. Ah, c'est mieux. Alors, niveau intro 0 0D, ça va être là. Voilà. Faire un truc pour zoomer un peu plus. Peut zoomer un peu plus. Allez. Donc j'ai quoi? J'ai des scripts. J'ai des scripts. Alors, par exemple, j'ai celui-là. Je vais prendre là j'étais dans le répertoire 0D, alors je vais me faire un script qui s'appelle du même nom. Donc c'est mon outil qui convertit un écran full screen. Je lui dis que c'est des blocs de 8 lignes, c'est 96 octets de large, de couper à la ligne 136. J'ai une palette que je n'ai pas encore, donc je vais relire la notice qu'on a vue tout à l'heure. Je vais mettre dans un fichier qui s'appelle screen.pal. Donc là, je suis en train de tout préparer. Donc intro 00D. Il me faut une palette. Je reviens sur ma notice. Je peux les prendre dans l'ordre que je veux. Donc je vais avoir. Ah oui, ah, c'est ça la blague. C'est ça qui m'a pas dit, c'est que je ne sais pas sur quoi l'écran que j'ai. Est-ce que c'est ça? Sur quelle palette on est? Je vais supposer qu'on est sur celle du début. Donc on va dire 0, 5, 4 et 2. 0, 5, 4 et 2. Parce que comme notre palette elle va changer à chaque ligne, pour donner ça, il faut que dans l'écran que moi j'ai en 4 couleurs, avant de faire des rasters, il faut que je sache quelles sont les couleurs. Alors, ceci dit, ce que je pourrais faire, pas celui-là, elle est où? Où est mon script? Dans un premier temps, je pourrais mettre quoi? Ben, rien du tout. Je pourrais lancer ce script et voir quelles sont les couleurs qui sont dedans. Donc là, il va me dire que j'ai pas de palette. Forcément. Donc je vais prendre ma ligne de commande et je vais enlever. Donc j'ai bien 0, 2, 4 et 5. Ça correspond à quoi 0, 2, 4 et 5? C'est ça, 0, 2, 4 et 5. Alors pour rester sur la notice et pas que j'inverse mentalement, je vais réordonner. Donc je vais faire 0, 5, 4 et 2. Je reprends mon script. Je me fais une palette 0, 5, 4, 2. Là, je me fais ma palette. J'appelle mon script de conversion. Il me les a gardés dans le même ordre, hein, donc 0, 5, 4 et 2. Il m'a fait mon petit écran qui est là, qui fait 32 kilo octets.
Salut Alkema. Alors Barjac nous dit il n'y a pas de sprite art pour le R du logo. Bah si, tu vois, il est là. Il est là, en deuxième position. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas pourquoi. Après, moi, celui qui est là, là, moi, je peux l'enlever, mais dans la planche que tu m'as filée, dans la planche que tu m'as filée, il y en a un. Si je la réaffiche. Regarde les sprites. Tu vois, il y a le R, ici. Là, on a le R, et ici, c'est la version avec le sprite par-dessus. C'est pas... S'il est en trop, on pourra toujours le supprimer. Ah, ouais. Donc, voilà. T'avais juste dû zapper. Donc, je reprends. Ah, oui, non, là, je suis sur un Windows. Donc, faut que je revienne sur mon script. Alors, j'ai converti un écran. Alors, ensuite, cet écran, il faut que je le crunch. Donc je vais reprendre mon script. Cet écran, une fois qu'il est fait, je vais le compresser en LZSA 2 d'Emmanuel Marty, qui est un très bon cruncher et qui crunch, il crunch très bien. On est quasiment au niveau d'Exomiseur. Dans mon cas, après, sur certaines choses plus compliquées, il va moins bien cruncher. Mais rapport à ce que je fais, j'ai des ratios qui sont excellents et surtout il décompresse très vite. Donc l'écran, le binaire LZSA, je vais le cruncher en LZSA. Donc à chaque fois en gros que je vais avancer d'une étape dans mon cheminement, je vais mettre à jour mon script, ce qui fait que si j'ai besoin de modifier quelque chose, d'y revenir plus tard, j'aurai plus qu'à appeler mon script et il me refera tout ce que je suis là en train de faire pas à pas. Donc là, à flûte, il l'appelait LZS. D'ailleurs, il l'a appelé LZS. Non, j'ai bien mis LZSA, c'est moi qui ai mal copié. Donc, je vais l'appeler LZSA. Ça, normalement, c'est bien. Je vais regarder la taille qu'il fait. Donc, de 32 kilo octets, on est passé à 2 kilos et demi pour cet écran. C'est pas surprenant du tout, hein, parce que comme on le voit, voilà, l'écran, il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup d'aplats. Donc, c'est pas surprenant que ça se crunche très bien. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attaquer directement du code. Alors j'ai un squelette qui est prêt de cartouche. Et je vais juste injecter ces données et voir que ça se passe bien. Alors ça c'est quoi? Ça c'est OBS. Clac. Ça. Ouais, je vais me prendre une petite fenêtre un peu plus grande. Alors c'est quoi? C'est Shift Ctrl plus. Voilà, Shift Ctrl plus. On est plus grand. Elle s'appelle comment? J'ai une cartouche. J'ai une cartouche que j'ai faite pour tester des intros. Alors c'est une cartouche. Donc j'ai mis quoi dedans? J'ai mis un fichier system.sm qui contient des macros pour gérer le RMR, le RMR2 qui me sert à commuter les ROM, hein, principalement. Ici, je lui dis de faire une cartouche, de lancer la banque 0. Là, c'est la séquence d'unlock de la ZIC que normalement tout le monde connaît. Ça, ce sont mes valeurs de CRTC par défaut avec ici un écran qui est en 8000 et puis là, on a les valeurs du CRTC pour faire un plein écran. Alors, on est sur du classique, hein. On s'assure que s'il y a une extension mémoire connectée ou pas, elle soit désactivée. Après, on nettoie la mémoire avec une série de 32 000 push. 32 000 push en 16 bits, ça fait 65 536 octets d'effacés. On appelle le unlock de la ZIC. Ça, c'est même pas moi qui ai dû l'écrire, ça va être un bout de routine
Kevin Tucker. On fait les settings. Ici, je fais un gros LDIR de 0 vers 0. C'est-à-dire je recopie la ROM et je recopie 16 kilos. Hein, je me prends même pas, j'essaye même pas de savoir. Ensuite, je mets ma pile en 4000 et je désactive les ROM. Donc, j'ai une ROM qui fait 16 kg dans ma cartouche. La première ROM, je la copie en mémoire. Ensuite, je désactive la ROM et ça me fait mon boot instantané pour tester. Ici, je vais lancer la ZIC. Je mets un split écran à 135, ce qui veut dire que ça va splitter à la 136e ligne. Et on a vu tout à l'heure que dans mon script de conversion, le PNG, je lui disais de me le couper à la ligne 136. Donc ce script-là, je vais te répondre, Zisquire. Ce script-là, il m'a découpé l'écran comme si j'avais bien deux banques vidéo. Hein. Il m'a pas fait un gros sprite plein écran. Pour l'instant, je vais juste afficher une image Zisquire. Donc là, j'ai fait mon script de conversion. Je l'ai crunché en LZSA. LZSA 2, qui est un très bon programme de compression. Et là, je vais juste faire la routine d'affichage. Donc, je vous montre mon proto de cartouche qui va me servir pour tout le temps, puisque je suis tout le temps en plein écran dans mon jeu. Donc là, on a une attente d'une seconde, ça s'appelle la VBL. Voilà, et là, ici c'est ce qui se passe. Donc, tout ça, je peux l'effacer. Là, j'avais des trucs qui étaient faits, mais tout ça, je peux l'effacer. Alors, on a la JR Dollar. On a full VBL. Tout ça, c'est pareil. Non. Ça, je vais le garder. C'est des routines que j'avais faites à l'avance. Le fade, je vais le garder. Le do fade, il va dégager. Tout ça, c'est des trucs, c'est des routines qui servent à rien. Je vais me mettre des données ici. Donc tout ça, je vais dégager. Oh, j'ai juste oublié un truc, faut que je fasse double W intro 00D.sm. Faut bien que je... Faut pas que j'écrase mon fichier d'intro dont je me servais. Voilà, donc intro 0D. Donc là, j'ai une cartouche qui ne fait rien. Enfin, si, elle va régler mon écran en plein écran. Ah, il y a un spammer qui... Faut le dégager, lui, c'est ça? Ça marche comment? On le banne, voilà. Ok, on va ban. Ça continue. Donc en fait, c'est quoi? C'est une attaque, c'est ça? C'est ça qu'on appelle se faire attaquer? Par des relous? Alors, bon, il y a des relous là qui sont en train d'envahir le chat. Voilà, on dirait une création de cartouche. Oui, alors c'est pour le jeu de bulles. Bon, on dirait que l'attaque de bot est terminée. Donc c'est pour le jeu de bulles, mais là c'est juste faire un écran titre. Alors je te remontre Zisquire le pitch. Le pitch, c'est que là pour l'instant je vais afficher cette image. Et que l'idée c'est d'avoir ce résultat là en mettant des sprite hard aux bons endroits, d'avoir ce résultat, et puis après de faire une petite rafale de balles dans le logo. Donc là on est en mode 1, donc bien évidemment en mode 1 on n'a pas autant de couleurs que ça normalement. Donc je reprends ma petite cartouche. Pour l'instant il ne se passe rien. Donc ce qu'il faut faire, c'est une banque 1 que je mets en C0 parce que c'est la ROM haute. Je vais faire ink bin 00D résistance. Je vérifie si c'est bien comme ça qu'il s'appelle mon répertoire. Saut niveau 00D.
Ah non, c'est 00D tout court. Voilà. Résistance, et il s'appelle screen.lzsa, puisque je l'ai compressé. Un coup des Illuminati reptiliens qui veulent me faire taire, voilà, oui, j'apporte la vérité. La palette, elle n'était pas très compliquée, et puis en même temps, ça va tout le temps changer, donc on va pas trop s'en occuper particulièrement. Alors la palette, je retourne quand même sur ma notice. Oups, ma notice. Voilà, ma notice, elle dit que l'encre 0 va être tout le temps à 0. A priori, je sais plus si je l'ai fait dans la cartouche, mais quand je vais arriver là, l'encre sera déjà à 0. Donc celle-là, on va pas y toucher. Donc la seule à changer, c'est 5, 4 et 2. Ce qu'on peut faire, c'est comme de toute façon, en haut, là, il n'y a que du 0, c'est du noir. Je peux me faire une interruption qui commence à la ligne 2. Je peux m'occuper déjà d'afficher tout ça. De faire la routine sous interruption qui fait ça. Et même plus précisément, de faire les routines sous interruption qui vont faire ça. Parce que l'interruption, quand elle se déclenche, elle appelle toujours la même routine. Donc ce qu'il faut, c'est que chaque routine, la routine qui va être en 90, elle mette les encres comme il faut, et qu'ensuite elle dise, bon, la prochaine fois, tu m'appelles pas moi, tu vas appeler la routine 148. Voilà, donc on va faire des routines sous interruption. Je reprends ça. Ce que je vais faire dans un premier temps, donc là j'ai LZSA2, j'ai ma routine de décrunch que j'ai appelée comme ça, là c'est une macro, donc ici DBC DF81, je vais dire que la ROM que je sélectionne en remote, c'est la ROM, la banque 1 qui est en dessous où j'ai fait mon link bin. J'utilise combien d'interruptions? Ben là, va y en avoir 4 ou 5. Ensuite, RMR, ROM up, mode 1. Je dis donc de connecter la banque. Ce que je vais faire... Oh là là là. Je vais retourner là. Donc ici, je vais dire que c'est mon logo. Je vais l'appeler résistance. Logo... Logo end. Résistance.logo. Donc je copie ça. Je veux copier à la fin de la mémoire. Donc pour ça, il me faut la longueur du fichier qui est égal à la fin moins le début, et je vais le copier à la fin de la mémoire, et il faut que je copie de la longueur du fichier qui est ça. Donc ça, éventuellement, ce serait une évolution pour Rasm de, quand je fais un ink bin, de faire soit une option au ink bin, soit d'avoir une autre fonction. Quand on fait le incubin, une fonction file size par exemple, comme ça il me dit quelle est la taille du fichier. Et ça m'évite de taper ça ou de mettre des labels, ça pourrait être quelque chose. Donc là je fais juste un LDIR, hein, truc classique. Donc source, destination, longueur. Et une fois que j'ai fait ça, je désactive la ROM. Pourquoi? Parce que le decrunch a besoin de relire dans ce qu'il a écrit. Mais si la ROM est connectée, ça ne marche pas. Pour un LDIR, on peut faire un LDIR d'une ROM vers la mémoire par-dessus lui-même. Hein, c'est ce que je fais au début de ma ROM. Je dis la source c'est 0, la destination c'est 0. Tu copies tout. Et quand on lit, c'est la ROM qui a priorité. Quand on écrit, on ne peut pas écrire dans une ROM, donc on écrit dans la mémoire. Donc ça, on peut le faire. Par contre, quand on décrunch, à cause des mécanismes de décompression, on ne peut pas. Donc, ma source, c'est là où j'ai mis
le fichier en fin de mémoire. La destination, c'est 8000. Et j'appelle unlzsa2. Et histoire qu'on voit quelque chose, je vais mettre 2, 3, 4. Je vais mettre des couleurs. Je vais mettre des couleurs bidons. D'accord ? C'est juste pour voir où je peux mettre les bonnes, hein, mais je sais plus. Alors c'était 2 et puis 4, 4, 4. Elles sont dans le désordre. Donc on peut essayer de compiler ça déjà. Ça compile. On va lancer la cartouche, on va voir ce qui se passe. Voilà, donc on a l'image qui s'affiche. Donc là, c'est LDD. Oui, alors, oui, ZSquire, attention, on est avec RASM. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, on voit l'image s'est affichée. Donc, on est bon. Maintenant, il faut faire les rasters pour voir quelque chose. Pourquoi je mets 10 000 ici? J'ai dit que... alors, on va aller déjà en bas. On voit que résistance.logo, c'est avant le inkbin. Résistance.logoend, c'est après le inkbin. Donc tu es d'accord que si je fais logoend moins logo, si ici, ici mon fichier commence en C0 et que logoend c'est en C0.10, logoend moins logo, ça va faire 10, qui est ma longueur de fichier. D'accord ? Donc pourquoi je mets 10 000 ? J'aurais pu mettre FF, ça aurait fonctionné. Mais c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est avec 10 000. Parce que 10 000, c'est une adresse mémoire qui n'existe pas, qui est située après le 65 536e octet. D'accord ? Ces octets, ils vont de 0 à 65 535 en adresse. Donc moi, je me mets au 65 536e, qui n'existe pas. Et si la longueur de mon fichier, c'est 1 octet, je vais faire 10 000 moins 1, ça va me faire FFF, et donc je vais bien écrire le seul octet en FFFF. Si j'ai rien à écrire, effectivement, il va aller en 10 000, et puis là, RASM il va mettre un petit warning, il va dire « attention, là tu débordes ». Mais comme mon fichier, je sais qu'il ne fait pas une taille 0, je vais vraiment l'écrire à la fin de la mémoire, mais jusqu'au dernier octet. Et comme ce que je décrunche, c'est des données, on a vu que mon fichier compressé, il faisait pas 32 768, puisque quand on affiche un écran, il y a toujours les fins de blocs qui sont pas utilisés, en particulier sur du full screen. Quand on fait un écran carré, il y a 100% qui est utilisé. Mais là, sur ce full screen, j'ai assez d'octets de marge pour que lui puisse décompresser sans écrire sur du flux compressé avant qu'il l'ait lu. Voilà. Donc là, on est bon. Donc maintenant, la seule chose à faire, c'est créer les fameuses routines sous interruption en fonction de la notice que j'ai. Et donc je vais me mettre ici, par exemple. Donc je vais dire que j'ai une routine... alors, int 00d, je vais avoir une routine pour la ligne 2. Qui fait quoi? On a besoin de deux registres, AF et HL. Et on a besoin, donc si je reprends ma notice, on a besoin de mettre 5-5, 4-4 et 2-2. Alors le 2-2, il est déjà mis là. Donc je peux me passer de le mettre. Je peux me passer de le mettre la première fois. Ou alors il faut que je le mette un coup. Mais là, ce qui va changer entre le bas de l'écran et le haut de l'écran, le 0 c'est 0, c'est le 4-4 qui devient 5-5, ça qui devient 4-4, le 2-2 il reste 2-2. Donc je vais toucher qu'à l'encre 1 et à l'encre 2. Je reprends mon code. Donc on veut 5-5-5 et 4-4-4. 5-5-5. En 6402, 444 en 6404. J'ai peut-être oublié de dire que je voulais y mettre HL. Donc ça, une fois que c'est fait, on fait EI RET.
Ah, j'oublie. Pop HL AF, voilà, et Y. Par contre, si je fais ça, ça ne va faire. Oui, c'est propre à Rasm. Il y a peut-être SJASM qui le fait. Moi je m'embête plus. On m'avait suggéré d'ajouter ça, donc je l'ai fait. Non. Voilà. Ça fait du code un peu plus condensé. Donc là, si je fais ça, je vais avoir une seule interruption. Parce que mon code, il va commencer comme ça. LDHL, int 00D002, LD39, C3. Donc C3, c'est l'opcode du JP. C'est le JP. Voilà. Donc là, on fait un DI, un EI. Et il faudrait aussi faire. Faudrait aussi dire à la ZIC coucou, ce serait bien de me faire une interruption à la ligne 2. On peut le faire du coup avec 1, parce qu'il ne peut pas y avoir d'interruption en fait sur la première ligne. Quand on met 1, ça fait toujours la deuxième ligne. Je crois que si je mets 2, c'est pas. C'est le PRI, tout à fait, c'est le PRI. Programmable raster interrupt. Donc là, je lui donne. Donc là, si je fais ça, il va m'exécuter ça une seule fois. Or, nous, ce qu'on a vu dans la notice, c'est qu'à la ligne 90, on veut que l'encre 2 devienne AAA et l'encre 3 devienne FFF. Ok? Donc on va faire AAA, FFF. Donc on a vu qu'on voulait AAA, FFF. Et qu'on voulait que ce soit sur l'encre 2 et l'encre 3. Voilà. Mais là, il ne va jamais passer d'une ligne à l'autre. Donc, il va falloir ajouter du code pour passer d'une ligne à l'autre. Donc, pour passer d'une ligne à l'autre, c'est que quand la première interruption se déclenche, on fasse coucou. Alors, je mets 89. La prochaine interruption, elle aura lieu à la ligne 90. Et ainsi de suite. Quand on arrive à la ligne 90, on va dire coucou, la prochaine interruption, elle a lieu à la ligne 148. Donc en général, ça dépend des réglages et puis de. En général, il faut vérifier que ce qu'on a décidé, c'est bien comme il faut. Des fois, il faut ajuster un peu, mais là, il suffit de mettre dans le PRI la valeur de la ligne d'avant. Tac, donc là on est bon. 147, du coup, bah maintenant il faut écrire le. On va écrire la routine d'interruption de la ligne 148. J'ai oublié quelque chose. Parce que là j'ai juste dit la prochaine fois que tu fais ton interruption. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme pour une fois, dis pas toi. Eric nous dit que, alors c'est pas Pusha, c'est PushAD en assembleur Intel, si je dis pas de bêtises. Hein? Pas Pusha, PushAD. PushAD, PopAD, et ça prend, je sais plus, une douzaine de cycles. C'est hyper rapide, ça sauve 8 registres sur Intel. Oui, donc on n'a pas ça, alors j'avais hésité justement à faire un équivalent PushAD, PopAD. Sur RAS, mais bon, si les gens peuvent se faire des macros, hein, c'est pas un problème. Donc là, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uniquement réglé l'interruption pour qu'elle se déclenche plus loin, mais j'ai pas dit, c'est toujours l'interruption 2 qui sera en 38, j'ai pas dit qu'il faut que je change la routine. Donc il faut aussi, on va faire vraiment un code qui se ressemble, il faut aussi que je lui dise. À la ligne 90, quelle est la ligne 90, il va exécuter une autre routine. Tac, tac. Là, il règle
Donc là, on règle à la ligne 148 et on dit c'est la routine 148. On va faire pareil ici. Oups. À la ligne. Là, on est à la ligne. Alors là, on est à la ligne 148. La prochaine, c'est la ligne 161. À la ligne 161, on va appeler la routine de la ligne 161. On fait la ligne 161. Déjà, est-ce que j'ai fait la ligne 148? Je ne l'ai pas encore faite. Donc en 148, qu'est-ce qu'on a qui change? On a l'encre 2 et 3, donc c'est toujours pareil, et ça fait 4, 4 et 2, 2. Donc ici, ça fera 4, 4 et 2, 2. Ok, à la ligne 161, en fait, on remet AA et FF. Donc là, ça tombe bien, ça bouge pas. La ligne 161, ensuite, on va à la ligne 184. Donc, on va régler la ligne 184. Oups, j'ai mis perdre dans mes raccourcis. On fait la routine. Donc là, on l'appelle. Ensuite, on fait la routine de la ligne 184. La ligne 184, la prochaine, c'est en 204. Voilà. Et on appellera la routine de la ligne 204. En 184, qu'est-ce qu'on change? On change l'encre 2 et 3, et ça fait 4, 4 et 2, 2. Et à la ligne 204, à la ligne 204, on a l'encre 1 et 2. C'est super pratique les interruptions PRI. Sauf quand on veut faire une interruption après la ligne 255. Là, on est un peu embêté. Mais j'ai écrit une routine pour ça. Par contre, ça, tu gaspilles le temps de synchronisation. Mais j'ai fait une routine pour ça. Où j'avais un PRI 16 bits. Et quand je dépassais 255, je rajoutais des tempos à la mano. Enfin, la mano, c'est la routine qui toute seule rajoutait la tempo qui va bien. Avec du code à temps. C'est pas à temps fixe, mais à temps paramétrable. De façon précise pour avoir la ligne que je veux. Ce qui me permettait de bouger quelque chose. Vraiment sur toute la hauteur de l'écran et pas d'être limité à la ligne 256. Donc on disait là c'est l'encre 1 et 2. Il existait des lignes qu'on ne voyait pas avant que ça revienne au début, oui c'est ça. De toute façon tu peux pas dépasser. Tu peux pas dépasser 255 en hard. Après faut tricher avec du soft. Donc l'encre 1 et 2, alors c'est vert, rouge, bleu. Alors parce que là il m'a mis les encres en RVB. Donc c'est du rouge qui veut. Si c'est du rouge. Mais sur plus c'est du VRB. Donc il faut juste que j'inverse. Donc c'est 4, 4 et 7, 7. En 1 et 2. Donc la routine. Donc lui il veut 4, 4 et 7, 7. Hein. Par contre il la veut en 1 et en 2 et sur cette ligne 204 par contre nous qu'est ce que l'on veut? On veut revenir à la ligne 2. On veut revenir à la ligne 2 là-haut. Une fois qu'on est en bas de l'écran on veut une interruption pour aller là-haut et ici on va appeler on va préparer notre vecteur pour la prochaine ligne. Donc là, normalement, si je compile, ça n'a pas marché. C'est triste. Fermé en Angleterre, les verres brouillent la mouche. Alors, c'est triste. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait vu tout à l'heure que ça s'était bien décompressé.
Qu'est-ce qui a pu se passer? On a fait un DI. Il avait bien décrunché. Alors ici on a l'Azicon. Hein. Azicon, ça ne bouge pas. Ah oui, là on avait activé une interruption. Alors ici, oula, je vais enlever le EI ici. Normalement, il y a ce qu'il faut. Normalement, il y a un EIRET, mais on va pas le mettre. Je vais simplifier ça, je vais le réduire. C'est le délai avant qu'il affiche quelque chose, parce que quand on lance l'émulateur, des fois, il commence à émuler avant que son affichage soit prêt. En particulier l'émulateur de Miniature qui fonctionne avec un thread séparé pour l'affichage. Donc là, on a mis la ROM, on fait ROM OFF. Ici, je désactive l'interruption. Je lui dis coucou, c'est moi. Ah, j'ai mis HL ici. C'est A. Faut que j'écrive A pour faire mon JP. Allez, on compile. On lance la cartouche. Et voilà. Donc là déjà, première étape, on a notre logo qui s'affiche comme il faut, avec des rasters. Donc là, il y a une interruption à la ligne 2, à la ligne 90, 140, et ça continue comme ça. Maintenant, il faut rajouter des sprites par-dessus. Alors, les sprites, voilà. J'ai préparé la planche de sprite. Il faut que je la... Il y a des petites merdouilles, me dit Bar Jacques. Alors, c'est possible. Il faut peut-être que je recale après un peu des trucs. C'est vrai que j'ai pas zoomé plus que ça. Alors... Ah, ça m'énerve. Où est mon truc? Je relance. Je vois peut-être le haut des lettres. Faut peut-être que je remonte d'un au niveau des là-haut là. Ouais, faut peut-être que je remonte d'une ligne. Bon. Oui. À chaque fois faut que je remonte de deux lignes parce que toi tu me donnes des numéros de ligne en partant de la ligne. Ah mais là, j'arrête pas de gueuler deux secondes. Vous pouvez fermer la porte. La porte. J'adore mes enfants. Donc toi tu pars peut-être de la ligne 1 et puis comme pour les interruptions, il faut déjà recaler. Alors ce qu'on va faire directement, on va tout décaler d'une ligne, on va pas s'embêter. 6, 59, 182, 202, ouais je peux mettre 1 mais ça change rien. Et voilà, effectivement, merci Barjac qui a l'œil, qui a tout de suite vu que le haut de chacune des lettres, il y avait un problème. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on a dit, on va balancer des spriteards par-dessus. Donc les spriteards, ils sont là. Normalement, ils ont que 16 couleurs. Enfin, dont le noir qui n'est pas du noir, mais de la transparence. Donc je les enregistre. Je crois que je l'avais déjà fait, mais voilà. Dans un fichier qui s'appelle hsp.png. Bonjour. Je me fais à chaque fois avoir par celui-là. Bon, à chaque fois il revient là. Attends. Je vais donc aller écrire. Non, c'est dans l'autre fenêtre. Le script de. J'ai une fenêtre pour voilà. Le script de conversion des spriteards. Donc pour les spriteards, pour les spriteards, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'en ai plein. J'en ai pas avec des méta. Ouais, si en général c'est ça quoi. Je reprends donc mon script.
Je vais chercher. Oups, ils sont là. J'ai appelé l'image hsp.png. Il va y avoir une palette. Alors, la palette, je ne l'ai pas encore. J'en aurai, au début, j'en aurai que 16. Ouais, mais alors, la taille, ils sont pas. Mais c'est pas. En fait, c'est pas ça qu'on fait. En fait, c'est ça. Alors, si je fais ça, ah, too much colors. Eh ben, pourquoi il me dit, je fais quoi moi? Pour extraire des sprites, je dis moins HSP. Ah oui, il faut que je lui dise que le noir, c'est la transparence, donc c'est moins B. Moins B. Et là, il me dit too much colors. Pourquoi? Je fais moins HSP. Alors, je vais revenir, je vais le mettre au début. Pourquoi il veut pas? Je l'ai en plus, Black is Transparency. Ah oui, je lui ai dit que c'était du modin, mais y a, en sprite hard, on s'en fout. Voilà, donc là j'ai ma palette de sprite hard. Qu'il m'a. Donc ça change la couleur. Alors, pour le coup, je vais pas me servir de. Je vais pas me servir de la notice. Parce que dans la notice, il y avait les palettes. Mais là, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'utilité à ce que je garde ça. Et ça m'arrange. Donc je vais juste récupérer la palette ici. Je vais la mettre directement dans mon code. Mon code d'intro. Alors, ici, je vais avoir les sprite hard. Je vais avoir ma palette de sprite hard. Les sprite hard. Intro résistance, c'est HSP. Je vais les compresser. Je vais les compresser. Donc là, j'en ai converti combien? Ah, puis je vais récupérer ma palette. Je vais faire autre chose. Je vais récupérer ma palette. Je vais la mettre dans un fichier parce que cette image de sprite art, je vais la relire plusieurs fois. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je vais compresser d'abord les 16 sprites qu'on voit là, dont je n'afficherai que 15 au début, puisque ça c'est un impact de balle, et les 5 sprites suivants, comme on le voit sur la notice, le temps que je vous affiche la notice, les sprites suivants ne peuvent pas faire partie d'un flux unique, ils vont être décrunchés petit à petit. D'accord? Donc les 5 suivants qui sont dans mon image ici, eux je vais les compresser à part. Donc là, on a 4 kilooctets de sprite, normalement, tel que ça a été extrait par mon programme de conversion. Voilà, writing, 4096 octets dans hsp.bin. Du coup, ça je reprends, je réédite mon script. Script, c'est ça. Je rajoute ma palette.
Donc là, il va faire un premier fichier. Ce premier fichier, je vais le compresser en LZSA pour la même raison que l'autre, c'est que le but, c'est de gagner de la place. Voilà, donc ces sprites, on va voir que de 4 kilo-octets, on est passé à 915 octets. C'est bien, on a divisé par 4, plus que divisé par 4 la place occupée. Donc là, pour l'instant, les sprites de la première image plus l'écran, on est à 3,5 kg. C'est pas mal pour un écran qui fait 32 kilos, enfin c'est un full screen donc c'est 32 kilos à l'écran. On a tout intérêt à cruncher, surtout quand on a plein de répétitions comme ça. Ça permet d'en mettre plein. Donc 3,5 kg. On reprend notre source. Donc ici on a les sprites. Je vais donc les sprites par défaut ils sont invisibles. Ça, on va pas y toucher. Et la palette des sprites ne va pas changer. Il n'y a pas besoin de mettre la palette des sprites sous interruption. Donc on ne touche pas à notre routine d'interruption. Donc là, ici on arrive. On décompresse l'écran. Ok. Là, j'avais connecté la ROM. Donc ce que je peux faire, c'est que quand la ROM est connectée, je prends les sprites. Et je les pas le dire et je les décrunch depuis la ROM directement dans la ZIC. Là, comme la source et la destination ne sont pas sur le même espace mémoire, j'ai pas de problème. Alors, est-ce que je teste sur CPC physique après en général? Alors là, je le testerai à un moment ou à un autre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit là, j'ai écrit du code qui est comment dire éprouvé. Que j'ai validé un certain nombre de fois sur la machine physique. La machine physique, elle est juste à côté là. Donc, je sais aujourd'hui que quand j'écris ce genre de choses, je sais que l'émulateur ne va pas me surprendre. D'accord? Là, c'est du code qui est pas très qui est pas très précis, tu vois. Mais même au niveau des rasters, l'émulateur est assez bon. Par contre, j'avais écrit un autre écran où là je faisais de la rupture sur des sprite arms. C'est-à-dire qu'il y a un sprite arm qui est à l'écran, j'en affiche 10 lignes, et puis au bout de 10 lignes, sur la ligne du dessous, je le décale. Là, faut être vraiment hyper synchro et ne pas avoir d'artefact. Donc là, quand c'était comme ça, une fois que j'avais quelque chose d'à peu près correct sur l'ému, j'allais tout de suite vérifier sur la machine. Mais enfin, les émulateurs sont quand même bons. Sont quand même bons, on a plus trop de soucis. Là, j'utilise pas WinApe déjà. Je suis avec l'émulateur de Megashure. Il y a l'émulateur de CNG qui est très précis. Il y a celui de Lone aussi qui est bien. Voilà, en ce moment, il met un peu les mains dans le cambouis, donc des fois il y a des petites régressions. Mais disons qu'entre l'émulateur de CNG et celui de Megashure, on est bien. On est pas mal. Donc là, je disais, je décrunche les sprites. Tant que j'y suis, je vais mettre la palette 6422 BC30. Je copie la palette. De toute façon, les sprites, tant qu'ils ne sont pas activés, bah, tu peux mettre la palette. Hein. S'il n'y a pas de sprite, on ne le voit pas. Ici, on décrunche. Là, on appelle l'interruption. Alors, c'est full VBL. On va faire un truc propre parce que l'idée après, c'est que ça s'intègre dans un flux, dans une présentation. Il y aura plusieurs choses affichées, donc je ne vais pas non plus afficher ça n'importe comment. C'est-à-dire que mon interruption, je vais l'activer pendant la VBL. Quand on est en dehors de l'écran, je vais activer mon interruption à ce moment-là. Comme c'était quoi? C'était la couleur 2. La couleur 2, elle serait pas mise. Je la mets aussi. Ensuite, alors là j'ai les positions des sprites et j'ai alors
Là, j'ai ça, là, ici. Donc, mes sprites, il va falloir que je les positionne. Et il va falloir que je les rende visibles. Alors, on a vu que le sprite 0, il ne serait pas visible au début, il serait visible plus tard. On va rendre visible que ceux de 1 à 15, pas le 0. Donc je reviens là. Ici, on a HSP start count zoom. Donc ça, c'est 6000. C'est quoi? C'est 6004 plus 8, parce que c'est le sprite d'après. Il y en a 15. Et le zoom, ce sera du mode 1. Ça donne ça. C'est-à-dire que la largeur mode 2, elle est zoomée deux fois. Ici, c'est 2. Et la hauteur, c'est 1. Les positions. Donc, les positions, on aura tous les sprites. On en aura 16. Et donc, HSP pose. Donc là, maintenant, il faut que j'aille recopier. Faut que j'aille recopier le tableau de la notice fait par Jacques. Voilà. Faut que j'aille recopier toutes ces coordonnées-là. Alors, on va voir si je peux mettre ça comme ça. Alors, il m'a fait un truc en mode d'un. Ouais, faut que je multiplie par deux. Donc là, c'est une routine. On le voit là, cette routine-là. Elle fait des LDI comme il faut dans les sprites, dans les données des sprites. Donc je les ai faites une fois pour toutes et à chaque fois que j'ai besoin de modifier des sprites ou de les rendre visibles, invisibles, j'ai juste à donner des paramètres, appeler la routine indirectement. Hein, allez. On a dit les positions. Alors, les positions des sprites. Alors, 5. Attends, je vais mettre comme ça. 51, 140. Je ferai le multiplier par 2 après. Hein. Je ne vais même pas m'embêter à les multiplier de tête. On fait de la recopie bête et méchante. Je vais y arriver. 166, 110, 127. Donc là, normalement, on a fait 8, c'est ça. 212, 89, 105, 212, 121, 212, 137. 236, 89, 236, 105. Donc le but de ce stream, c'est aussi de vous montrer comment à distance, hein, bon, je vais pas dire confinement oblige, mais voilà, on n'habite pas à côté, c'est comment ben, le graphiste m'envoie les données, ce qu'il m'envoie comme indication et comment on fait pour chacun s'y retrouver de notre côté. 137. Donc là voilà. Donc là j'ai mis les positions. Est-ce que ça marche? Ah, je crois que tous mes sprites se sont retrouvés là-haut. Alors de toute façon déjà les positions n'étaient pas bonnes. Mais là tous les sprites se sont retrouvés là-haut. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié?
Intro.asm. Alors, je vais relire mon HSP pause. Il fait quoi? Il fait LDI, 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 Inc. Ah, HSP pause. Je vais en 6000. Ah, mais oui, bah oui, non, mais c'est normal. Il n'y a plus la ROM. La ROM, elle est. Ça, c'est-à-dire que régler les positions, j'ai pas besoin d'attendre la VBL. Régler les positions, déjà, il faut que je fasse quand ma ROM est active, donc au début. Et je peux régler les positions tout de suite. Sachant que là, il va pas toucher au zoom, donc le sprite sera toujours invisible. Voilà. Et on a dit que. On a dit que ce qu'il faudrait, c'est que là, le graphiste, il m'a envoyé ça en mode 1. Mais les coordonnées des sprites sur les plus sont en mode 2. Parce que, quel que soit le zoom du sprite, on peut l'afficher, c'est-à-dire si on affiche un sprite mode 1, on peut l'afficher sur un demi-pixel de mode 1. On a le droit. Donc là, il faut que je multiplie toutes les coordonnées par 2. Et bim! Ah, il y a un petit. Oh, il y a plusieurs couilles. Voilà, donc là, on a vu qu'il y a plusieurs couilles. Il y a. Est-ce que il y a un zoom là? Qu'on voit plus grand? Voilà. Alors, si je fais ça comme ça. Voilà. Donc là, on voit. Je peux pas mener ma souris par-dessus, mais bon. On voit au niveau du S, il y a un souci. J'ai dû me gourer dans un Y. On y est presque. Ouais, mais il y a un truc bizarre en bas du N. Il y a deux trucs bizarres là. Je vais revenir. Donc là, il y a deux trucs bizarres. Donc, on va essayer de comprendre. C'est ici, hein, entre le 4-5 et entre le 7 et le 8. Alors, soit j'ai merdé sur mon image. Entre le 4-5. Et entre le 7 et le 8, entre le... Ah bah oui, là, t'as un trop, c'est 126. Et c'est de 16 en 16, donc c'est 126. Et ici aussi, c'est 126. Là, on sera bon. Donc ça me rassure. Ah merde, j'ai buté ma fenêtre. J'ai buté ma fenêtre. Tiens, saut. Intro. Oui, c'est vrai que ça va pas. J'ai pas réagi. Donc 126. Et on avait quoi encore dans la notice? Pourquoi 16? Ah oui, c'est le 15e. Là on est bon, ça fait 16 de plus, mais pourquoi il serait vide? Alors c'est le bas du N. Et il est là mon bas du N. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord, partant de 0, 15. Effectivement, on a le bas du N. Pourquoi? Oui, j'ai une petite idée. Non. Alors, HSP visible. On a fait ça. C'est qu'il est en noir. Là, on part bien sur celui-là, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'autre. HSP start, count et zoom.
première colle. 4000, on a les sprites. Ah ben voilà, la première colle qui arrive. Pourquoi ce sprite-là serait vide? En fait, ce qu'il me faudrait, là... Là, ça, c'est le truc qui manque encore pas mal avec, avec Linux. C'est un émulateur qui est un débugger. Alors, il se trouve que j'ai la version de CDC. J'ai la version de... Ah, de NoriSS. J'ai une version de NoriSS. Ah oui, alors effectivement, alors lui carrément, il... Il est où mon... Ah, il est là. Voilà, et du coup, c'est quoi? J'ai un debug là-dessus. Voilà, donc on voit que le sprite est là. Hein, et le sprite... Alors, pourquoi j'ai pas tout? Est-ce qu'il m'affiche tout? Le sprite, il est en 472-127. Donc le sprite, il devrait être affiché. Il devrait être affiché. Hein, puisqu'on voit qu'il est, il est là. Par contre, il est peut-être pas aux bonnes coordonnées. Magix 2 et 1, pourquoi il serait pas bon? 1, 2, 3, 4. Ah, 127. C'est 137. C'est moi qui ai mal recopié. Ok. Bon, ben voilà, j'aurais utilisé l'émulateur d'Arnaud en direct. Donc c'est moi qui ai mal recopié. Ici, c'est... Oui, forcément, c'est 137. Donc là, il devrait apparaître comme par magie. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le coup du 126, il est corrigé. Voilà, ah bah ça y est, voilà, on a tout le logo. On a tout. Donc après, ce qu'il faut, c'est... bam, 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 bam. Après, il faut faire les 5 balles, les 5 impacts de balles. Donc on en a un qui est déjà en place. Il est caché. On va aller se l'afficher. Hein, c'est le sprite 0. Donc, où est ma full VBL? Full VBL, tac, 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 in A, pour H. Donc on est là. Donc, on arrive ici, on a affiché le logo, on va attendre, j'en sais rien, moi je vais prendre quel registre? Je prends le registre H qui, dont on ne se sert pas, tempo 01, call full VBL. Donc full VBL, c'est une routine qui attend qu'on ne soit pas dans la VBL et qui ensuite attend qu'on soit dans la VBL. Ok? Donc je peux la lancer plein de fois de suite, ça va pas détecter plusieurs fois la même VBL. Donc ensuite je fais decache jrnz, virgule, tempo 01. Donc si je mets 50 VBL, ça fait une seconde. Alors je vais peut-être pas appeler cet HP visible pour un sprite. Je vais juste aller le poker directement 6004, là je vais le poker directement. Donc là je rajoute juste ça, je compile et on va voir la main qui s'affiche et au bout d'une seconde, paf, un impact de balle. Bon, voilà, donc là on a le premier. Et ensuite on avait dit quoi?
Ensuite, on avait dit qu'il y en avait 5 autres. On en a 5 autres ici, qui sont... Je voulais qu'on voit les deux en même temps. Voilà, voilà notice, voilà. Donc là, sur mon image, on en a 5 autres qui vont être à poker à... Donc en 2, 4, je vais me l'écrire sur un papier. En 2, si j'ai un stylo qui écrit correctement. En 2, en 4, en 8, en 10 et en 13. Puis en fait, ce sera moins 1 puisque on commence à 0. Donc l'idée, comme c'est pas très gros, je pourrais les décruncher à la volée. Je pense que j'ai largement le temps de les décruncher à la volée, donc je pourrais les cruncher séparément. Après, je peux changer mon fusil d'épaule selon comment je me retrouve dans cette intro. Je pourrais aussi les décruncher en mémoire, parce que là, cet écran-là, il bouffe rien. Je pourrais les mettre dans un tampon, mais l'idée, c'est que dans la musique d'intro, on aurait peut-être des samples. Donc éventuellement, là, 5 sprites, ouais, ça fait 1 kilo. Je peux les mettre dans un coin et je peux toujours les mettre dans un coin. Donc est-ce que je les crunch, que je les décrunch quelque part, ou est-ce que je les crunch séparément et que je les décrunch direct? Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va les extraire. On va extraire ces 5 sprites-là. Et on va les cruncher séparément pour voir si ça crunch bien. Donc il me faut à nouveau le script des niveaux. Donc là je vais reprendre celui-là. Et j'en ai besoin de... J'en ai besoin de 21. Est bon, donc là il m'a fait plein de petits fichiers. Je vais le cruncher en LZSA. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais en cruncher un pour voir est-ce que ça vaut le coup. Ils sont similaires, hein, donc le graphiste a encore mal bossé. Alors, résistance, tac tac, LS-AL. Donc de 256 octets, on passe à 148 octets, c'est pas mal. Donc là, ça crunch, qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Quand on en crunchait 16 d'un coup, on divisait par 4. Là, on n'a pas divisé par 2 parce qu'on est à l'unité, mais bon. C'est nul, c'est pas tramé. Voilà, ça y est, ça commence à troller. Ok. Bon, après, voilà, on est pas là, on est sur du 1 kg. Si vraiment je manque d'un kilo qui part, je pourrais toujours venir gratter. En attendant, je vais tous les cruncher séparément et puis je vais pas me... Pour l'instant, ça vaut pas le coup d'aller se prendre la tête plus que ça. C'est bien de se prendre la tête, mais faut que ça rapporte derrière. Ça rapporte pas. Alors, 2, 3. 4, 5. Donc 20, 19, 18, 17. 17, 18, 19, 20. On va cruncher les autres. Quoi?
Voilà. Ils se sont tous crunchés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un kilo aujourd'hui? Ben, on peut faire plein de trucs. Donc, ils se sont tous crunchés à peu près pareil. Que dire de plus? Ben, vous avez vu que mon script contient toujours tout ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin de régénérer, si le graphiste me fait une modification, je me poserai plus la question de ce que je viens de faire là, hein, de ah oui, j'ai besoin de ci, de ça, de voilà. J'appelle mon script, bram, il va tout m'exécuter d'un coup. Ça, je me garde dans un coin. Donc ces fichiers là, eh ben on va aller les mettre dans le source. Poète. Voilà. Il me faut c'est quoi? Allez, boulette. C'est la boulette. Voilà. Il y en a 5. Je me serais pas planté. 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. Donc là, c'est la 2. Alors, j'avais dit tout à l'heure, je pourrais faire les. Je peux même faire. Qui c'est qui m'avait réécrit? C'est Barjac qui m'avait réécrit les index. Donc, il y a le 1, le 3, le 7. Le 9 et le 12. Voilà. Ok, on est là. Tac. Je vais juste. C'est juste moi. Je me les garde sous le coude. Alors. Je connecte. La ROM haute qui n'a pas bougé, c'est toujours la ROM 1. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du boulette. Le boulette 1, du coup, il se met en 4100. 1 petite tempo. Donc là on va dire quoi, entre chaque impact de balle on met un dixième de seconde. Contrôle A. Ah ouais, tu me donnes des raccourcis Vim, c'est sympa. Moi je suis très basique, hein, niveau éditeur. Donc là on a une tempo. Donc là, donc 5 frames, c'est, si je dis pas de conneries, c'est un dixième de seconde. Non, je dis des conneries. Non, c'est bon. 5 frames, c'est un dixième de seconde. On décrunche une boulette. Je pourrais limite me faire une macro pour ça. Je peux faire une macro, ça va être encore plus simple. La macro, ça va être macro... Push boulette. Charlotte, tu peux venir fermer la porte, s'il te plaît. Push boulette. Du coup, dans une macro, je fais un label local à la macro. Comme ça, j'ai pas à m'embêter à les renommer à chaque fois. J'aurais pas à tout réécrire. Le coup de réactiver la ROM, j'ai besoin de le faire qu'une fois. Et j'ai besoin ici de la destination. Alors, la source et la destination. Et ici, j'ai point boulette 1. J'ai besoin de ma source. Voilà. ML. Du coup, je fais
push boulette. Et c'est résistance.boulette1 en 4100. 3, 7, 9, 12. 3, 7, 9. Ah, c'est, pour l'instant, c'est assez facile. Hein. 3 et 12, c'est B. Non, 10, 11, 12, c'est C. Et là, c'est 12. Voilà. Donc là, j'ai fait mon push boulette. Et normalement, je croise les doigts, ça marche. Ça compile. Ça compile. Ça affiche. Alors, il s'est passé un truc. La bisophie, merci Moonbeam. Faut pas trop rapide. Bah là, ça a fait. Après, là, il n'y a pas de son. Hein, donc, par contre, les données des sprites sont pas bonnes. Parce que j'ai dû merder dans mon script d'import. Donc, je vais retourner voir mon script d'import. On fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon flat il me pâle? C'est quoi? C'est moins G. Normalement, ça se fait tout seul le moins G. Ah, mais si ça se trouve, en fait, d'ailleurs, mon script ne marche pas. Je parie que là, si je refais ça. Si je refais tout ça, je parie que ça ne marche pas. On va vérifier. Donc là, il m'a recompilé, il m'a extrait et recompilé tous les sprites. Voilà, c'est ce que je craignais. C'est qu'en import de palette, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce que... J'ai pas de palette différente, c'est mes programmes d'import. Le truc, c'est que j'ai converti d'une certaine façon la première fois. En fait, et j'ai pas. Et en fait, quand je récupère la palette, le problème il est là. Le problème, c'est que quand je récupère la. Ça, c'est parce que Barjac, il veut pas me faire des sprites et de la transparence. Alors, import de palette. Black is transparent aussi, ça me force le. Ah oui, parce que la première fois, j'avais pas trié ma palette. Tiens. Alors, HSP. Intro. 0D. En fait, ça me fait chier d'avoir du Nord pour la transparence, ça me pose des problèmes. HSP.pal. Et là, je parie que. Voilà. La palette. Alors pourquoi d'ailleurs j'ai une couleur de moins? Énorme. Et en plus j'ai une couleur de moins. Alors. On va faire autrement. Là. 15 couleurs importées. On a mis 14 ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Après, j'en perds une au passage. C'est sûr que tu te sers de tout. Je vais virer ça. On va recommencer. Je vais lui dire j'ai peut-être pas autant de couleurs que je pense. Alors non, c'est pareil. Non, non, en fait j'ai que 14 couleurs. Donc on va rester là-dessus. Donc là je reprends ma palette. On
faisant exprès de la trier, parce qu'en fait elle n'était pas triée au début. Voilà, et là je me retrouve encore avec une couleur en moins. C'est pas possible. Ah oui, mais en fait, oui, alors le problème il est là. C'est ça. Le problème, c'est qu'il faut que je rajoute le noir. C'est ça le problème. Voilà. J'importe les 16 couleurs, dont le noir. En fait, ça fait, je m'embrouille toujours. Je suis habitué à avoir des images avec de la vraie transparence, puisque les sprites n'ont que 15 couleurs et pas 16. Donc en fait, il faut que je lui dise oui, il y a du noir, et après je lui dis bon, bah tu me tries, et puis le noir ce sera la transparence. Voilà, on va s'en sortir. Du coup, c'est dans mon source. Dans mon source, la palette, elle devait pas être triée à la fin, la palette. Voilà. Tac. A été triée ou pas, ou c'était les données qui étaient pas triées au début? Non, c'est bizarre, c'est la même là. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Ah, il va tout me refaire depuis le début. Il va me remouliner toutes mes données. C'est aussi pratique de temps en temps de vérifier que le script marche bien, parce que j'en aurai besoin plus tard. On recompile, on affiche. Voilà, tout va bien. Sauf les... Il y a toujours un truc qui chie. Il y a toujours un truc qui chie dans ma deuxième palette. Parce que quoi? Parce que j'ai pas dû modifier quelque chose. Là, on est clairement dans un problème d'outils. Hein. Ah, c'est moins G. Faut pas que je mette moins G. Je mets juste l'import. Faut vraiment que je fasse comme l'autre. J'ai des conflits d'options, je pense, dans l'affaire. Il y avait l'émulateur de lancer. On recompile. Tac. Voilà, c'est bon. Donc c'était c'est mon outil de conversion. Je cumulais trop d'options. Donc il s'en mêlait les pinceaux entre le noir qui doit être transparent, faut trier la palette et tout, et du coup je me retrouvais avec des décalages. Donc voilà, bah, ça marche. Donc, je peux faire un reset. Tac. Voilà, c'est fait. Donc on en est à combien là? Ah quand même, 1h30, voilà, bon, tu vois, voilà, Barjac, tu vois, 1h30 pour faire l'écran de presque zéro. J'avais préparé le PNG des sprites, j'avais déjà organisé les sprites, mais sinon j'avais rien fait. Et toi, t'as mis une journée pour graffer ça? Ouais, bah écoute, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, il y avait 2-3 trucs qui étaient prêts, hein, parce que par exemple, la routine de LZSA, je l'ai un petit peu modifiée. Qu'est-ce que j'avais préparé? Ah, j'ai pas fait le fade! Il reste le fade, attends, j'ai pas terminé. Alors, j'ai une routine de fade qui est prête. Ça va être intéressant. Elle est où ma routine de fade? Voilà, fade compute. Voilà, donc là, ça c'est une routine qui... je donne une palette, je donne une adresse mémoire en destination, et je lui dis count, je lui dis combien j'ai de couleurs. Donc je vais pouvoir mélanger. Là ça va être plus compliqué, hein, Barjac, là, puisque s'il faut modifier les palettes dans les interruptions, ça va être plus compliqué. Donc je lui dis combien j'ai de couleurs qui doivent intégrer mon fade,
Et ensuite, j'ai cette routine qui calcule le fade. Donc, le principe est assez simple, c'est-à-dire que je vais séparer les composantes avec ici un AND F. Après, il y a le RRCA, RRCA, AND F. Donc, je vais scanner mon tableau de couleurs. Ce sont des couleurs 16 bits. Je vais faire du travail en trop, puisque dans cette valeur 16 bits, il n'y a que 12 bits qui correspondent aux couleurs. Il y a 4 bits qui servent à rien, mais moi je vais les calculer quand même. Donc ça fera 0, 0, 0, c'est pas gênant. Donc ça me permet d'avoir un code qui est plus compact. Donc ici on voit que je sépare la composante, 4 bits, et après j'ai une boucle. Donc la boucle elle commence à 2, et elle va aller jusqu'à 16. On s'arrête quand la 16e fois devient 17, c'est ce qu'il faut sortir. Et j'ai un accumulateur. Donc j'accumule la valeur et ensuite je vais récupérer que les 4 bits du haut. Je vais prendre ma composante qui vaut entre 0 et 15 et je vais la multiplier ici de 2 à 16 fois. Et ensuite, je la divise par 16, parce que diviser par 16, c'est facile, il suffit de décaler 4 fois. Et ça me permet de faire mon fade sur 16 niveaux. Voilà, mon fade fera 16 niveaux. Donc ici, là, j'avais forcé DE à 40, mais là, on peut le mettre un peu n'importe où, c'est pas grave. On peut se mettre à la fin, ici. Fade buffer, voilà, ce sera pas assemblé. Donc on a dit 4 lieux, on a dit que j'ai quoi, parce que là quand il va falloir faire le fade sur les interruptions on va se prendre un peu la tête. Alors on va élargir un peu l'écran, enlarge your screen. Alors, c'est ici que ça va se passer. Déjà, combien j'ai de couleurs? J'ai les couleurs des sprite hard. Et ensuite, j'ai toutes les couleurs qui sont là, dans les interruptions. Comment on va s'y prendre? Alors, j'ai quoi? J'ai le 555, j'ai le 444, j'ai le AAA, j'ai le 040, j'ai le 222, j'ai le FFF, j'ai le 070, et c'est tout. Alors là, c'est uniquement pour faire un fade out, mais la table, je peux la lire dans l'autre sens, ça fera un fade in, hein, c'est pareil. Donc ça, c'est les couleurs qui sont sous interruption, ok? Alors, est-ce que je peux... je vais me les réorganiser. 2, 2, 2. 4, 4, 4. 5, 5, 5. A, A, A. Voilà, je vais m'y réorganiser pour moi, que ce soit plus agréable, on va dire. Suite à ça, je fais quoi? Où est ma palette de sprite hard? Ma palette de sprite hard est là. Je vais la mettre en ROM. C'est pas grave. Je mets en ROM. Donc c'est intpal. Voilà, et du coup on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 15, 22 couleurs. DHL, résistance.intpal.
LDDE, virgule, fade buffer, LDB, virgule, 22. Voilà, tout simplement. J'ai ma ROM qui est active. Donc là-dessus, on peut toujours lire, on est bon. Donc là, il va calculer le fade. Une fois que c'est calculé, j'ai mes couleurs, c'est par multiple de 22, qui vont être de fade. Ouais, fade buffer. Alors, je pourrais faire ça aussi. Je pourrais aller recopier. LDBC, du coup, 30, AOC, 44, ou je pourrais les mettre directement. Mais... Donc je vais recopier les premières qui sont. Attends, où est-ce que je pars de 2? Attends, non, est-ce que je me prends chou là? Non, je vais pas faire ça. Je vais garder que ça. On calcule les couleurs. Et ensuite, donc, on disait qu'on devait lire le tableau. Et que le tableau. Fade buffer. Plus 44 fois 15. Ça va être un truc comme ça. 15 fois 15 fois 15, si je dis pas de conneries, hein. Ok. Et je vais finir par les regarder dans le code dont je me suis déjà servi. On a dit, ah oui, je vais quand même revoir les couleurs ici que je rajoute dans mon fade. Voilà, je vais les mettre, je vais les réécrire là à côté. Parce qu'il va falloir les poker. Il va falloir que. Quand je fasse mon fade, j'aille faire des POC dans mes interruptions pour que les interruptions fade. Donc ici, on a point C555. Ou alors, je m'embête pas. Ici, je vais pas faire un code, je vais pas faire un code d'interruption plus gros. Je vais faire autre chose. Donc là, je m'ajoute un petit label pour pouvoir aller poker la valeur. Voilà, je m'ajoute ça. Je vais relire la notice parce que je me méfie. J'ai peut-être oublié une couleur. Donc là, on a celle-là qui va changer. Celle-là, elle change. Elle change au moins une fois. Donc elle va faire partie du batch. Ok, et le 0 ne bouge pas. Tac. Les visual blocks. Oh là là, de quoi il me parle, Alkera? Donc, quand on a le buffer, ah oui, donc on a le buffer, on va faire E.HL, nickel, on va faire ça. Je vais l'aligner sur un multiple de 2. Donc, LDE.HL, LDD. L'HL, voilà, donc je prends ça, LD, donc le 222, on va le poker à deux endroits, on va le poker là et là, on va le poker en C2 plus 1, et on va le poker
Ça, c'est la partie qui n'est pas très agréable à faire. Hein. Voilà. Donc le 2-2-2. Ensuite, on a le 4-4-4. Donc ici, ça c'est le 2-2-2. Ensuite, on a le 4-4-4. Le 4-4-4, on l'a à trois endroits. On l'a en 0-2 pour un C2. On l'a en 148.C1. Et on l'a, je l'ai vu une troisième fois, en 184. Oups. Point C1. Ça, c'est le 4-4-4. Voilà, c'est là la partie en général où les codeurs abandonnent pour rester à 4 couleurs au final. Ah, ça me prend trop la tête. Voilà, non, alors ce qu'il faut. Là, je vous le fais, ça va. Là, il y a Xirotina modifié. Dans l'intro du jeu, il y aura un endroit totalement anodin où il y a plus de 200 modifications comme ça, parce qu'il y a des splits partout, et je me suis tout tapé à la main. Je fais des macros et tout, mais je me suis tout tapé à la main après. Donc ensuite, on lit le 555. Le 555, on l'a. Ça tombe bien, on l'a un seul endroit. Le 555, il est en 02.C1. Ensuite, on a le AAA qu'on a une fois, deux fois. On a deux fois. Alors, je vais copier cette ligne-là. Donc, le AAA, on l'a en 90.C1. 0.90.C1. Et on l'a en 161. Oups. Point C1. Ok. Une fois, deux fois. As-tu j'ai vendu. Ensuite, on a le FFF qu'on a deux fois. 90 et 161. Ah ben, point C2. Ça, c'est le FFF. Ensuite, on a le 40 qui n'est qu'une seule fois. Donc, il est en 184.C1. C'est le ah oui, non, je le voyais plus. Là, il est en bas. C'est le 0,40 et le 0,70, il est en C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on a 6 routines de 2 changements d'encre. Voilà. Ok, donc là, ça c'est ce qu'il faudra faire à chaque fois. Plus LDB, 15. Je vais récupérer juste ça. Oh, bah non. Ensuite, on est de HL. LDDE. Ensuite, on va directement recopier. Merde. Je m'en mêle. Alors. Ensuite, notre HL, il est positionné, il n'y a plus qu'à mettre la destination, qui est la couleur des sprite hard. LDDC.30, LDR. Voilà. Donc ça, c'est la destination, et on est bon. Donc là, on a fait un fade. Le fade, il se passe sur 15 niveaux, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc on va faire LD...
s'en fout, tiens, je fais avec XH. Deck XH, JRMZ, virgule, fade. Voilà. On appelle la VBL qui ne veut pas toucher à HL. Donc là-dessus, on est bon. Il manquera juste un petit quelque chose. C'est comme on part de la fin du tableau, il faut qu'on revienne en arrière. Ouais, je suis en stream. Donc, moins. Quoi? Ouais, le premier. Tu veux dire bonjour? Voilà. Donc là, comme on a passé notre temps à incrémenter, il faut qu'on revienne sur tout ce qu'on a fait. Donc 22 couleurs, c'est 44 octets. Et comme il faut qu'on revienne à l'étape d'avant, c'est moins 88. Donc là, normalement, on a un truc qui devrait fonctionner. Si j'ai pas trop fait de caca, il aurait fallu surtout que je relise mon code de fade. C'est un peu touchy. Alors voyons voir. Tac, 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 tac. Ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça a même pas touché aux couleurs des. C'est génial. Ça a même pas touché aux couleurs des sprite hard. Donc, il s'est vraiment passé un truc pourri là. Je vais regarder ici. Donc là j'avais, ça c'était ma routine de fade. Voilà, ici j'avais un doux fade. Alors fade in, fade out, fade out, tac tac tac. Bon déjà j'appelais deux VBL et j'ai bien 16 étapes. J'ai bien 16 étapes. Est-ce que je les prends dans le bon sens? Alors, reprenons notre code. Donc là j'ai mon buffer. Alors l'époque. Déjà est-ce que mes. Ah oh, oh, oula. Personne m'a repris. Ouais, il manque des plus hein. Ici il manque des plus hein, donc. Ça a dû bien saccager mes interruptions. Ça se trouve après ça a planté. Donc oui, il faut écrire à plus 1 parce qu'il y a l'opcode du LDHL hein, entre temps. Donc ça déjà c'est pas bien. Et ensuite. LDR 30. On a 30. Ah mais j'ai combien de couleurs? Pourquoi je dis que j'en avais 22? J'ai dit que j'en avais 22. Alors d'où il sort ce cas? T'osais pas le dire. Non mais il faut oser. Mais là il y a un truc qui cloche là, mon 88, je sais pas d'où il sort, parce que 15 couleurs c'est 30 et 12 c'est 24, donc c'est 54. Mais 54 c'est 20.
Ben oui, c'est moi que c'est pas 22, c'est moi que c'est pas compté. C'est 27 pour faire 54. Donc ici c'est 5. Alors déjà ici c'est 54. Moins 54. C'est 50. C'est moins 108. C'est moins 108 puisqu'on a 12. Enfin 12. Non, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 couleurs, ça fait 14. Non, ça fait 14 octets plus 30 octets. 6 et 44. Je suis en train de m'embrouiller les pinceaux. 6 et 44. Tu me diras dans mon fade compute pute pute pute. Elle est où ma petite pute pute pute? En fait, quand on sort de la routine, on a le DE qui est presque positionné comme il faut. Moi, apparemment, c'était 16. Ça, on va l'appeler deux fois. Ah oui, non, non, mais c'est moi qui m'embrouille. C'est-à-dire que oui, je vais l'écrire à 12 endroits, mais j'ai que 7 couleurs. Donc c'est 7, 7 et 7, 14, plus 30. Plus 30, c'est bien 44 octets. 44, 44, 44. Donc je pense que l'histoire de tout à l'heure, c'était uniquement dû à mon erreur, à mon petit oubli du plus 1. Hein. On va dire. On se reconnecte, il y a ma machine qui a planté. Donc ça lui arrive, je pense que ça vient de la libSDL qui doit pas trop forcément aimer je suis en train de relancer un peu Twitch là, je relance un peu tout. Parce que l'émulateur qui utilise libSDL, j'ai l'impression que quand tu le. Ouais, merci, je suis en ligne. J'ai l'impression que l'émulateur, quand t'arrêtes pas de le lancer, d'arrêter, de le lancer, de l'arrêter, il y a un moment où. Je pense pas que ce soit l'émulateur, je pense que c'est vraiment la libSDL. Il y a un moment où ça chie dans la glu. Alors donc, j'en étais à lancer l'émulateur. Voilà. Tac, 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 tac. Ah, le rouge! Donc on a eu le fade. Les plantages là en cascade là, ça commence à me gaver. Hein, les poteaux là. Ouais, ça. Alors je me demande si c'est l'émulateur quand je fais CTRL F9 dessus ou il y a peut-être un truc qui faudrait que Megachour regarde. Là, l'émulateur, il aime pas du tout. Mais je sais pas si vous avez eu le temps de voir juste avant que ça plante. Je vais essayer de le. En fait, je vais utiliser l'émulateur de CNG. Je vais redémarrer le Twitch là, parce que j'ai du mal à vous voir. T'as vu le fade? Bon, d'accord. Mais je vais. Écoute, je vais passer sur l'ému de Cesare. J'espère que je n'écorche pas. Alors, CPCEC+. Je vais aller dans. On va changer d'émulateur. Ce qu'il y a de bien maintenant, c'est que sous Linux, il y a plein d'émulateurs. Donc, on n'a qu'à choisir. Tu disais qu'il était un peu rapide. Ouais, on va essayer. Ah mais là, ouais non mais des fois c'est bizarre, c'est-à-dire que là je viens de me taper deux plantages de suite en faisant à peu près la même chose, donc il y a un truc qui doit pas aimer.
Alors, smooth, la cartouche. Tac. Donc là, on a vu deux choses qui n'allaient pas. Ah oui, on a vu, parce que j'ai jamais touché à la. Voilà, donc l'émulateur, lui, quand je mets la cartouche. Ah oui, parce que César, il doit garder le bleu. Alors, est-ce qu'on peut faire un. Comment on peut faire un reset avec celui de César? Si je fais ça. Il n'y a pas un truc pour. Reset nop? Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Tiens, il y a un truc que j'ai pas testé. Si je fais ça. Non, ça c'est. Ah oui, ah, pardon, je vous ai pas mis la scène. Donc ça c'est l'ému. Et là, il change de scène. Ça c'est l'ému. Ça c'est mes sprites. Voilà. Ta, ta, ta. Je vire ça. Je remets ça. Donc il y a un petit truc qui a été négligé. Ah! Je me perds dans mes fenêtres. CPC, saut, intro 00D. Salut Rafo! Qu'est-ce que je te garde de joli? Je corrige juste un truc, je te montre. Il y en a pour 10 secondes. C'est un écran qui va faire partie de l'introduction du jeu. Donc c'est un écran avec qui paye pas de mine, qui est en mode 1, 4 couleurs, sauf qu'il n'y a pas 4 couleurs, il y en a plus. Et j'utilise aussi un peu de sprite hard en même temps que je fais des rasters et je fais des fades qui vont poker les routines sous interruption pour que les rasters se mettent à jour. Donc. Alors, on va corriger déjà tout en même temps. Toi, tu me disais que. Z-Squire me disait que le fade était trop rapide, donc je le ralentis. Quand. Je vais zoomer ça un peu. Voilà. Quand on va démarrer, je vais mettre du. Je vais mettre du noir. Je vais mettre du noir par défaut parce que cet émulateur là il initialise pas tout quand il redémarre. Voilà, on a notre cartouche, tac tac. Si je drag and drop, ah, il veut peut-être pas. Ah non, c'est que je suis dans le debug. Voilà, faut que je revienne là. Voilà. Donc ça fait ça. Donc c'est un écran. Je vais la remettre, la cartouche. Ah oui, mais là, forcément, vous n'avez pas. Donc je vais mettre là l'émulateur. Voilà. On va relancer comme ça. Check. Et pourquoi, du coup, j'ai deux rouges. J'ai deux rouges qui sont pas mis à jour. Alors j'ai dû en oublier tout à l'heure. Il doit se passer un truc. Les couleurs du bas. Donc je vais vérifier le code. Alors le code. Le code qui met à jour les interruptions. Alors déjà. Voilà. Alors on est là. Ouais, parce que ça aurait dû fader un peu. Faudrait attendre un chouille après les balles que le fade ne vienne pas trop tôt. Pour l'instant, de toute façon, c'est réglable. Là je le fais venir rapidement, mais je vais attendre la musique. Enfin, la musique, les bruitages, et puis après, on fera du calage. Mais là, pour l'instant, ça n'a pas de sens de s'occuper de ça. Hein. Je peux t'en mettre un, mais si tu veux. Hein, mais... Donc ce qu'on disait, voilà, on disait que... Ah bah oui. Ah, j'ai mis 184 pour le...
C'était 204. 184. Pour... En fait, il y en a qui me manquent. 184.c1. C'est le 4. Je vais passer en un peu plus large pour mieux y voir. Et je vais remonter un petit peu pour que vous voyez les deux lignes. Voilà. Donc ici le 444, c'est, il est bien là, 184. Là on a le 222, c'est 184.c2 qui est là. Par contre, du coup, je me suis planté. J'ai surchargé. Ici, c'est 204. Le rouge. Les rouges qui sont en bas, c'est en 204. Voilà. Donc là, si je compile et que je mets dans l'émulateur, voilà, c'est bon. Voilà, on a failli. C'est terminé. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il restait 2-3 trucs, 2-3 trucs à corriger. Voilà, donc là, donc cet écran est entre guillemets terminé. Il reste plus qu'à, c'est bon, qu'à l'intégrer au pipeline et puis attendre les autres écrans, terminer la musique et puis après on fera un chaînage. Voilà, donc Rafo, si t'es toujours là. Que je te montre ce que tu n'as pas vu niveau intro. Je te montre la belle notice de Barjac. Voilà, déjà, c'est à dire que donc ça c'est la notice qui explique comment est construit l'écran. Donc ici on a l'image. Ah. Je vais en ouvrir une autre. Voilà. D'abord, on a un écran en mode 1, 4 couleurs. Donc ça, c'est l'écran 4 couleurs. Cet écran 4 couleurs, il faut faire des routines sous interruption à la ligne, la première ligne, la ligne 90, 148, 160, 184, 204, pour changer les couleurs. On a 4 couleurs en simultané, on les change. Donc ça, c'est la première étape qui te permet d'afficher cet écran-là. Ensuite, on a des sprite art ici, qu'on affiche par-dessus. Sprite art pour cette palette. Et l'idée, c'est de passer donc l'animation que tu as vue, de faire ça, et puis ensuite, de se taper des impacts de balles. Et donc, il y a certains sprites qu'on va surcharger. D'abord, je mets tout cela, et puis ensuite, quand les balles arrivent, je les décrunch à la volée de la ROM, boum, 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 dans la zik. Donc là, c'était le but de ce stream, de faire ça. Et là, on voit que tout compris, c'est 1 kilo octet code et 4 kilo octet data. Voilà. Sachant qu'il y a du code d'init. Que là j'ai fait pour faire une cartouche unique, mais bien évidemment si je garde que le code qui nous intéresse, c'est moins que ça encore. Voilà, bon, ben c'est con que ça ait coupé, j'espère que ça a pas 5K, voilà, 5K tranquillou. Tout, c'est tout compris. C'est-à-dire que la grosse image de départ, elle est crunchée en 2,5 kg. Les sprites, il y a 1,5 kg. Et puis après, il y a des tables, des couleurs, des coordonnées, une routine de décrunch, du code pour calculer les couleurs de fade. Parce qu'on a 44 fois. Tiens, on a 44 fois 15. Parce que j'ai une routine qui me calcule les couleurs de fade. Ouais, t'as qu'à stocker. Sauf que là, comme j'ai 22 couleurs et 16 niveaux de fade. Pourquoi il ne marche pas ? 44 fois 16.
Ça me fait 700 octets, tu vois. Si je stockais le fade, ça me prendrait 700 octets. Et là, j'ai une routine qui fait, je sais pas, 40, 50 octets, qui calcule tout. Et qu'après, j'appelle. Voili, voilou. Bon, ben désolé pour le petit plantage. Je vais voir si je peux faire un montage avec les deux vidéos. Voir déjà si j'ai pas perdu la première vidéo. Et puis je mettrai ça en ligne. Bon, et ben ce soir, normal. Si j'ai pas. Ouin, démo. Ce soir, si je dis pas de bêtises, j'ai cru lire que Daron faisait un stream. Donc, à ce soir, pour ceux qui seront là. Voilà, et puis bah, je montre pas en public ni même vraiment en privé le jeu pour le moment. Là, donc je vous ai montré ce splash screen parce qu'il y aura une intro. Donc c'est pour vous montrer qu'on met vraiment beaucoup de soin. Bah, tant au niveau des graves que du code, et bientôt j'espère pour la musique. Hein, on essaye de faire quelque chose qui soit soigné, léché, agréable. Et puis on va mettre les bouchées doubles, puisque de toute façon on ne peut plus sortir le week-end. Alors, donc on va mettre les bouchées doubles là-dessus pour essayer de proposer quelque chose l'an prochain. Allez, ciao tout le monde!